mettre ça dans l'assiette. Comme Mars, ah, si, 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 à Brantôme, si, si. Ah, si, quand il y a Mars, il y a le Mars quand on commence, oui. Oui, oui. Et quand tu vas à la Fiera, au Mars, il y a des spécialistes qui commencent à vous la classer. Ouais. Et vous ne savez plus c'est à vous. Quand le pourrait nettoyer, mettant une autre fois du sous-ventre, si faisait une farce, et puis voilà, quand nous devons l'odeur. Mais, ne n'ai mis ça pour les truffes, mais ne ferait pas de montagne. Hein. Oui, oui. Tataline, oh, elle avait fait. Et un jour, elle me dit, oh, si tu savais, j'ai fait manger de l'abacade à la reine d'Angleterre. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que tu me racontes là? Elle me dit, mais je te jure, elle me dit, il y avait un mariage au château de la Reille, je crois bien que c'était au château de la Reille, et elle me dit, la reine mère d'Angleterre était venue, et moi je lui ai fait manger les pommes de terre de l'abacade. Je lui ai dit, mais comment tu les as fait tes pommes de terre de l'abacade? Parce que comme elle était cuisinière et qu'elle savait ce qui était bon, les patates cuisent dans la chaudière, mais des pommes de terre un peu pointues sur le bord, et avec des bâtonnets de truffes plantés dedans sur une rondelle de foie gras avec une feuille de salade et de l'huile de noix. Alors bon, ben, c'est ce qu'elle avait appelé les hérissons au nid, et alors tous les invités du mariage, on mangeait les hérissons au nid de Tataline, qui pouvait se vanter d'avoir fait manger la bacane à la reine d'Angleterre. C'est comme le jour de pêche, ou comment vous êtes appelé? Caviar, le caviar. Oh. Eh bien, il n'y a pas ça, mais je ne trouve pas bon. Et pourtant, attention, quand on a mis le caviar, attention, qui est encore là. À mon idée, il y a le truffe qui revient. Non, mais mon poème.